départ validé pour cette dernière épreuve, le Prix Granit, une course attelée pour Poulain et Pouliche de 3 ans, 2275 mètres à parcourir avec Darling Star qui s'est montré le plus rapide au départ avec en deuxième position Dédé de Varville à son extérieur, DS Nolé, alors qu'on a loupé son départ avec Divine Vici. Le numéro 8, Divine Vici, a été disqualifié. On note également la disqualification du numéro 13, Dynamic Yam. Avec Darling Star qui a toujours l'avantage. 2-3 Sulky d'avance maintenant sur Dédé de Varville, accompagné à son extérieur par DS Nolé. On vient en 4e position maintenant côté corde avec le numéro 2, DJ d'Ulysse. Et on vient également à l'extérieur avec Dolly Chenu. Alors que le numéro 7, Donardo Dubroc, a été disqualifié. Pour passer devant les tribunes, Darling Star qui a l'avantage avec en deuxième position le numéro 10, DS Nolé, accompagné par Dédé de Varville. On vient en quatrième position avec Dolly de Chenu, accompagné par DJ d'Ulysse et à son extérieur Dolly Giel. Devant encore Divine Charentaise avec encore un peu plus loin Dolly Royal, accompagné encore de Dune Dourville. Alors que loin derrière, nous avons le numéro 5, Dorian de Baume. Le tournant, il reste un peu moins de 1200 mètres à parcourir. On contrôle actuellement avec le numéro 12, Darling Star. Dédé de Varville, la Kazakh jaune, numéro 9 est en deuxième position, accompagné par le numéro 10, DS Nolé, accompagné encore en quatrième position par le numéro 3, Dolly de Chenu, devant encore DJ d'Ulysse, qui est en cinquième position côté corde. À son extérieur, nous avons le numéro 11, Dolly Giel. Divine Charentaise, numéro 1, est en 6-7e position, accompagné du numéro 4, Dolly Royal, juste devant Dune Dourville. On reprend en tête à moins de 2000 mètres de l'arrivée avec Darling Star en deuxième position côté corde. Toujours Dédé de Varville accompagné par le numéro 10 DS Nolé en quatrième position à l'extérieur. Dolly de Chenu accompagné encore en cinquième position et côté corde et sur un troisième rideau du numéro 2 DJ d'Ulysse. On vient ensuite avec Dolly Giel, Divine Charentaise, Dolly Royal et Dune Dourville dans cet ordre. Il en reste un peu plus de 600 mètres à parcourir. Avec Darling Star qui a toujours l'avantage. En deuxième position, nous avons toujours Dédé de Varville avec à son extérieur le numéro 10, DS de Nolé qui va mettre la pression maintenant à Darling Star. En quatrième position, nous avons toujours le numéro 3, Dolly de Chenu, accompagné encore côté corde par DJ d'Ulysse. Et à l'extérieur, nous avons Dolly Giel, la dernière ligne droite. Darling Star qui a l'avantage avec en deuxième position le numéro 10, DS Nolé, avec en troisième position côté corde, Dédé de Varville. Et un peu plus loin, nous avons Dolly de Chenu, accompagné encore de DJ d'Ulysse, alors que le numéro 5 a été disqualifié. Il reste environ 30 mètres à parcourir avec Darling Star, sans incident, va s'imposer dans cette dernière épreuve. Et on finit fort à l'extérieur pour la deuxième place avec le numéro 3. Dolly de Chenu et la troisième place sera disputée entre le numéro 10, DS Nolé et le long de la corde avec le numéro 9, Dédé de Varville.